told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Bonjour, bienvenue sur le portail du cru. Regardez cette magnifique vue. Nous sommes au bord de la mer aujourd'hui. Ici, c'est le départ des calanques qui vont jusqu'où en fait? Jusqu'au bout de la vie, allez comme ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le départ est à la Ciotat. De qui s'agit-il? C'est un des rares cruisiniers, j'ai bien dit cruisinier, à faire justement eh bien, sa cuisine, que ce soit dans le salé ou bien encore dans le sucré. Et vous êtes nombreuses à le suivre justement sur les réseaux sociaux, ce qui signifie que ça vous plaît, ce qu'il réalise. Eh bien, on va faire plus ample connaissance justement avec ce cuisinier. Il s'appelle Sébastien Vincent, mon cher Sébastien, ravi de te rencontrer, de te connaître. Ravi Pascal. Bon, bienvenue, c'est ta première interview. Oui. Voilà, on s'est dit, au lieu de faire voir tout le temps tes gâteaux, ça peut être bien de faire voir un peu qui est ce cuisinier, tout simplement. Alors, on sait que la cuisine, on n'y vient jamais par hasard. Il y a toujours une cause à effet. En général, il y a toujours un facteur bien précis, allergène. En règle générale, c'est ça. Qui fait que voilà, on va dans cette voie. Quel est toi le ou la responsable qui fait que tu es dans la cuisine aujourd'hui? Ça a été, comme tu l'as évoqué, des maladies qui étaient notamment allergiques, des maladies de la sphère ORL, des sinusites, des angines à répétition, des opérations qui ont eu lieu, qui n'auraient probablement pas dû avoir lieu si j'avais mangé plus sainement. Et à force de lecture, d'interrogation, je me suis dit, là oui, il faut faire quelque chose. Ta santé passe probablement par l'assiette, donc il faut essayer de modifier tout ça. Donc là, à ce moment-là, on se dit quoi? On va regarder un peu des vidéos, voir qui est dans ce domaine-là, essayer d'apprendre. Exactement, des lectures d'abord, des conseils, on échange avec les gens, puis on s'oriente puisqu'on a maintenant cette possibilité vers les vidéos, c'est de plus en plus accessible. Et donc, ça a commencé par des vidéos notamment de Thierry Casasnovas. Ça t'a inspiré? Ça m'a inspiré, ouais. C'était facile, c'était accessible. Voilà, le personnage était inspirant lui aussi parce que il était passé par des phases assez difficiles niveau santé. Fait. Puis voilà, on avait un vrai résultat immédiat, ce qu'on peut pas avoir peut-être ailleurs. Là, on voyait l'histoire du type et ce qu'il avait mis en place pour améliorer sa santé. D'accord. Après, tu as regardé d'autres vidéos, puisque bon, il y a quelques piliers, on va dire, hein, on les connaît tous. Toutes les infos se regroupant, tu t'es dit, go, faut que j'essaye moi aussi. Il faut faire quelque chose. Tu t'es formé. Oui. Voilà, tu as regardé un petit peu où aller, etc. Tu as trouvé un endroit précis, qui s'appelle Les Croquantes, je crois. Exactement, oui. Voilà. Ariane Nomovic, qui est basé près de Nantes. Voilà, en Loire-Atlantique. Voilà. Ça correspondait en fait à tes attentes. Exactement, ouais, c'était ça. Ouais. Alors, tu as fait cette formation qui a duré combien de temps? 3 mois. 3 mois quand même, donc à distance. Formation à distance, oui. Voilà. Et toi, tu te formes en parallèle à cette formation en essayant justement des réalisations chez toi dans ta cuisine, quoi. Voilà, ça a été la base et puis je m'inspire d'autres personnes. J'ai eu l'occasion de travailler avec Paul Guény, que tu connais sûrement, qui a son restaurant au Beau-de-Provence. Voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire, d'autres aussi. Et puis j'ai cette envie à travers la cuisine de montrer aux gens qu'on peut et s'alimenter sainement et surtout, et ça me tient beaucoup à cœur, c'est de vraiment avoir des plats qui sont gourmands, qui sont étonnants, voilà, et qui soient beaux aussi. C'est vraiment pour moi quelque chose de ben c'est un ensemble. C'est un ensemble, voilà. C'est pas seulement s'alimenter pour la santé, c'est aussi vraiment, je suis un vrai épicurien, faut qu'on se fasse plaisir, quoi. Voilà. On se fait déjà plaisir par les yeux, lorsque l'on va déguster un plat, que ce soit pâtisserie ou bien encore un salé, quoi. Alors, tu l'as dit, tu es gourmand, tu vas peut-être plus faire des parties sucrées, pâtisserie, mais on se rend compte qu'au final, c'est ce qui plaît le plus, hein, quelque part. Oui, quoi. Tout à fait. C'est un peu les photos qui reçoivent un maximum de likes. On en a vu des 700, des 800 likes exactement. Et puis là, on te demande de plus en plus des infos. Et comment tu fais pour que ce soit aussi droit, carré, d'équerre, nickel? En fait, c'est le plaisir de le faire. Et le plaisir, l'envie, quoi. Et puis après, le goûter, ben,
c'est la magie qui opère. C'est ça. J'aime les belles choses. Je suis fils d'artisan qui était quelqu'un de très perfectionniste, qui aimait les belles choses bien finies, bien abouties. Et donc j'ai ça en moi. Ouais, j'aime quand l'assiette est parfaite, ou en tout cas qu'on s'en rapproche. Et voilà, pour pouvoir le partager aussi. Après, tu as les outils qu'il faut. Hein. Je vois, tu as vraiment les moules qu'il faut, qui donnent un bon rendu. Tu as le blender qu'il faut également, qui est puissant quand il le faut. L'extracteur de jus également. Donc voilà, il faut quand même avoir, vraiment les matériels de professionnels, il faut quand même avoir une bonne base au niveau de ce matériel. Je pense qu'on a beau avoir le talent, l'envie, etc. Si on n'a pas les bons outils, voilà. On ne peut pas travailler correctement. Après, au niveau alimentaire, donc, tu vas chez les producteurs locaux ou les magasins et on reste dans du bio. En bio, si possible en local. Je me sers chez une petite maraîchère qui est toute près de chez nous, à Saint-Cyr-sur-Mer. Ça, c'est bien. Après, c'est les magasins bio, la Biocoop, Marcel et Fils, qui est des magasins tout proches. Et si possible, de local, bio au maximum. Évidemment. Alors on voit la plupart des gens, on va dire une grande partie des gens qui sont dans la cuisine aujourd'hui, ont des physiques assez sveltes, on est sportifs. Et la cuisine, ça donne envie d'y aller encore plus dans ce sport parce que ça nous donne un regain d'énergie. Hein. Tu l'as constaté toi aussi. Bien sûr, ouais. Quand dans les gens qui m'inspirent, il y a des personnages comme Mimi et Jackie que tu connais aussi, bien sûr. Qui sont basés à Tenerife, qui sont frugivores et qui sont sportifs de haut niveau. Et pour moi, ça a du sens, ça me parle beaucoup parce que je fais aussi, comme tu le sais, de la course d'orientation, un petit peu de jeune âge, je fais un petit peu de salle de sport, etc. Et j'ai un petit peu ce côté, sans tomber dans l'extrême, mais de la performance, en tout cas, c'est personnel, de vouloir améliorer mes performances, mieux récupérer, mieux dormir, dans le but de m'améliorer. Et ça passe clairement par une alimentation saine. Pas que, mais ça passe par ça. On voit directement les résultats. Donc c'est ça aussi mon idée, c'est le sens que je veux y donner, c'est que ça doit passer par ça. Tu les as vus les résultats, notamment suite à tes problèmes allergènes? Oui, bien sûr. C'est connu, tout ce qui était produits laitiers. Moi, j'ai consommé énormément de gluten, de produits laitiers en étant jeune. Je te dis, toutes les maladies de la sphère ORL, je crois que je les ai toutes faites. Et en stoppant les lésages, ça a clairement disparu. Ouais. Et je le revois parce que ça m'arrive encore de temps en temps. Comme je te disais, je suis épicurien, donc de faire quelques petits écarts. Et je vois tout de suite, je le paye cash. Quoi. Ouais. C'est vrai donc, la digestion est beaucoup plus longue, on le ressent tout de suite. Hein. Et puis Puis les muqueuses, rapidement... Le corps est bien fait et réagit assez rapidement. On a les signaux qui nous disent « Bon, t'as fait l'écart, c'est bien, mais on s'arrête là. » Alors, remets-toi dans le droit chemin. On part sur quelque chose de propre. T'as envie justement d'initier tes connaissances à d'autres personnes, toutes celles qui te suivent, là, pour leur dire « Suivez ce que je fais. » Ça peut être l'occasion, évidemment. En atelier, c'est pas que faire un atelier et puis faire un plat et se dire « Bon, c'est bien, on a bien mangé et on s'est régalé et tout. » C'est aussi leur dire « Voilà, faites attention, vous mangez ci, vous mangez ça, regardez, là il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, et puis vous n'aurez pas les réactions et les maladies qui suivent derrière. Vous allez oublier tout ça, oui. Bah ouais, c'est un échange, c'est un partage complet. Il n'y a pas que le rendu final. C'est pas que ça, non. Vous avez des questions, je veux vous donner mon expérience, les choses positives, négatives, etc. Quoi. Donc des ateliers, tu vas certainement en faire, parce que sans le vouloir, en fait, tu as une demande. C'est ça, donc, ça, c'est bien. Et puis, tu t'es dit pourquoi pas. Et si je peux transmettre à X personnes mes connaissances, c'est ce qu'on fait un petit peu tous. Hein. On plante un petit peu nos graines ici, justement, avec nos chaînes, avec nos réseaux sociaux. Et puis, on espère que ça va aboutir à plus. Et c'est ça. On aura un regain d'énergie, une meilleure santé, et peut-être vivre beaucoup plus longtemps. Voilà, puis on contribue à un monde meilleur après, aussi, après la période délicate qu'on a traversée. On est aussi nous-mêmes les acteurs de ce monde nouveau, qui est en train de naître. Un cuisinier. Je dis, les hommes sont très très peu. Donc, si vous aussi vous êtes un homme cuisinier et que vous cuisinez justement, bien faites-le nous savoir. Pas que on n'aime pas ces dames, mais il y a des messieurs aussi qui peuvent vous transmettre justement leurs expériences. Alors, j'en ai pas parlé au début, mais tu m'as dit que tu avais une petite surprise pour nous tous. Oui. Qu'en est-il? Je me suis dit que quand même, les gens sont demandeurs, ils voient des photos, ils se disent « bon, c'est bien beau tout ça ». Ils nous présentent des photos,
il va mettre quelque chose en place, mais bon, le teaser, c'est bien, mais ça commence à être un peu long. Donc, je me suis dit, Pascal vient me rendre visite, c'est l'occasion de lui faire découvrir ce cadre sympa. Ah, c'est sûr. Ouais. Et puis, il doit attendre autre chose de moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je te propose qu'on aille chez moi et puis que je te fasse la recette d'un dessert. Carrément. 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 Bon, vous êtes partant alors, il va nous faire une recette. Ça veut dire que ce que vous voyez en photo, bah, il va la créer de A à Z. Ben, c'est une bonne surprise ça, pour ceux qui nous regardent et puis pour moi aussi. Carrément. Bon, ben, alors on y va. On va rester un petit moment ici encore, on va profiter du soleil qui est là. On va peut-être aller se baigner et puis on va faire préparer l'atelier à la maison. On se retrouve d'ici allez, quelques secondes, vous verrez, la magie de la vidéo fait que quoi. Merci en tous les cas de t'être permis de te dévoiler un petit peu plus, puisque jusqu'à présent, ben, on ne voyait que tes mains et tes réalisations. Voilà, première vidéo, ça sera peut-être la dernière ou il y en aura d'autres ou autres. En tous les cas, merci d'avoir choisi le portail du cru. Avec plaisir. Bon, allez, on va à l'atelier, on va se régaler et j'en suis sûr, vous n'allez pas être déçus. À tout de suite. Alors, comme promis, après avoir fait connaissance avec Sébastien, ben, nous allons vous proposer une recette. Et c'est une recette de pâtisserie, c'est ça? Exactement, Pascal, oh, c'est ça. Ça veut dire que c'est les beaux gâteaux que l'on voit sur tes réseaux sociaux. Tu vas nous en faire un en vrai? Tout à fait. Wow. J'ai ce plaisir aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Alors, on va le faire en trois étapes, c'est ça? Tu vas nous expliquer justement les ingrédients que tu as, comment est-ce que tu fabriques. Là, aujourd'hui, on va regarder un petit peu eh bien, comment est-ce que tu réalises. On a des quantités un peu plus qu'à la normale. On va juste réaliser un petit carré d'environ 8 cm par 8 cm, sachant qu'on pourra en réaliser entre 4 et 6 à peu près, hein, par rapport à l'un 6. Mais là, justement, pour la recette, on va seulement en réaliser un seul. Eh bien, écoute, je te laisse. On a le Magimix Lamorex, puisque tu as besoin de cet appareil-là pour le début, plus tes ingrédients. Tu nous expliques. Et on y va pour la première partie. Ça va. C'est parti. Alors là, je vais utiliser des amandes. J'ai 2 cups d'amandes. Donc 2 cups d'amandes. 2 cups également de noix de pécan. Noix de pécan. 2 cups. 1/3 cup de sucre de coco. Sucre de coco, 1/3 cup. Et 1/2 cup d'huile de coco. Mmh. Donc, on met tout dans notre récipient. Voilà. Et le dernier ingrédient, c'est quoi? Alors ça, c'est des graines de sarrasin germées et déshydratées. Qu'on mettra à la fin. Exactement. Que je prépare en amont et que j'utilise dans différentes recettes pour obtenir cette espèce de petite touche croustillante. D'accord, ok. Et maintenant, donc, on va mixer tout ça. Voilà. Pour avoir la texture que tu souhaites, en fait. Exactement. Donc là, je mixe grossièrement et je vais rabattre ce qui vient se mettre sur l'extérieur du bol, je vais le rabattre vers le centre de façon à ce que j'obtienne un mélange bien homogène. On a une bonne odeur hein, qui ressort du réservoir là. Exactement. Je vais remixer jusqu'à ce que j'obtienne la texture souhaitée, donc quelque chose d'assez fin mais qui garde quand même un petit peu de croquant. Et un peu collant aussi ? Exactement, ouais. Faut bien que ça adhère. Hein. Une fois que je vais l'insérer dans le moule, il va falloir que ça plaque bien, que ça adhère et puis que ça garde une forme et une texture. Donc là, je vais y aller. Je vais utiliser la touche Pulse pour, en quelque sorte, faire la finition de ce que je veux obtenir. Voilà, là je suis. Tout au visuel. Exactement. Voilà, ça me convient comme ça. Et je vais rajouter le sarrasin germé.
Et là, je vais mettre juste quelques à-coups avec la touche pulse, juste pour mélanger, mais sans casser le grain du sarrasin. Voilà. Alors, on peut céder de la spatule. Voilà, on est bon. Maintenant que je vais faire ça, je vais venir ici étasser l'ensemble. Donc là, tu fais le premier socle, premier fond en fait. C'est ça. On est sur une épaisseur de combien à peu près? Là, je vais faire à peu près 1 cm. D'accord. Et il y aura 3 couches, 3 hauteurs. Donc. Bon, ça aurait été plus facile avec une cuillère à soupe, je vous l'avoue. Mais on va y arriver. Voilà, je vais tasser une première fois, je vais voir ce que ça donne. Donc j'hésite pas à bien tasser parce qu'il faut quand même que ça soit compact. Oui. Oui, c'est le socle principal de la pâtisserie. Donc, Exactement. Et ce moule est parfait justement pour créer un socle carré. Voilà ce que ça nous donne. Là, c'est bien compact, donc on a à peu près 10 mm en épaisseur. Ok. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait avec ce socle? Alors là, ce qu'on veut, c'est que ça fige parce qu'on a l'huile de coco qui est fluide et on veut que ça soit elle qui nous aide à avoir quelque chose de compact. Donc on va la passer au froid, comme ça elle va figer. D'accord. Et on va avoir un ensemble qui va être compact. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, alors j'ai le choix, soit au réfrigérateur pendant 2-3 heures ou soit pendant 15-20 minutes au congélateur. Au congélateur. Alors c'est parti, 15 à 20 minutes au congélateur et on se retrouve juste après pour la seconde partie de ce gâteau. A tout de suite. Pendant que le crust va passer encore quelques minutes au congélateur, on va entamer la deuxième partie du gâteau, de la pâtisserie. Et quelle est cette deuxième partie? On l'appelle l'appareil, c'est un diminutif comme ça en pâtisserie. Exactement, on l'appelle l'appareil, ça va être donc ce qui correspond à un cheesecake, on va dire, dans la pâtisserie traditionnelle. D'accord. Donc là, on va le mettre donc juste sur le crust. Alors, on réalise cette deuxième épaisseur, on va dire, et puis on sortira du congélateur au dernier moment notre socle. C'est parti ? Exactement. C'est parti. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier lieu ? Alors ici, on a des noix de cajou. On a 250 g de noix de cajou qui ont été fermentées. Et là, pour les fermenter, donc on peut utiliser des ferments comme des probiotiques ou bien des ferments naturels comme ceux qu'on peut trouver dans le kombucha. D'accord. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que je réalise justement du kombucha maison. Et là, pour l'occasion, je l'ai utilisé et ça m'a permis de faire fermenter ces noix de cajou. Alors, une noix de cajou, on les fait fermenter 24 heures. On peut les faire fermenter entre 12 et 24 heures. 12 et 24 heures, voilà. Donc ça, on a fait ça en amont de la préparation. Et ça nous permet d'obtenir une texture qui ressemble à celle du gâteau au fromage blanc. Je ne sais pas si tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, première étape que tu verses dans le bol. Exactement. Ensuite, on va rajouter 1/6 cup de sucrant, et là, en l'occurrence, du sirop d'agave. Donc 1/6 cup, d'accord. Là, tu travailles uniquement avec les cups pour les unités de mesure. C'est assez précis en fait. Exactement, c'est précis, c'est pratique. C'est universel. C'est universel et c'est ce qui se fait beaucoup en raw food. On va rajouter 1/3 cup d'huile de coco. Huile de coco, 1/3 cup. Donc a été mesurée avant. Le sel. Une pincée de fleur de sel. Et une cuillère à café d'extrait de vanille. Mmh. Pour avoir justement ce goût prononcé de la vanille. Exactement, c'est ce que je recherche. Dans cette pâtisserie, dans cette création.
Et là, donc, on va pulser tout ça. On va vous le montrer de manière un peu plus précise. Voilà, on voit que la texture a été modifiée. Je contrôle et je suis parfaitement satisfait par ce que j'ai obtenu. Elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. Elle est parfaite, on n'a pas de morceaux, elle est bien lisse. On va avoir quelque chose d'onctueux et de bien aéré. Et donc de facile justement à... Et j'ai oublié de préciser que le fait de fermenter les noix de cajou, ça nous permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus digeste, parce qu'on dit souvent que la noix de cajou est difficile à digérer, et là on va avoir quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger en fait, et ça va passer encore mieux. Noix de cajou crue, hein, je le rappelle. Hein. Noix de cajou crue, bien sûr. Ok. Là on va chercher le socle. Tout à fait. C'est parti. Voilà, le crush qui vient de passer donc 20 minutes au congélateur pour bien figer justement la première partie de la pâtisserie. Et on va justement mettre la seconde partie. Donc pareil, je vous fais un petit gros plan pour voir un peu comment on procède. Vous voyez, tout doucement, tranquillement. Et là, je vais faire en sorte d'obtenir une épaisseur un petit peu égale à celle que j'ai à la première. On va mettre un tout petit peu. Elle n'a pas besoin de forcer, elle s'étale toute seule. Hein. Exactement, la texture est parfaite. Mais on va la taper quand même. Hein. Alors l'idée, c'est de la taper pour faire remonter des bulles d'air, pour éviter que quand on va démouler, on ait une mauvaise surprise. Ouais, pas besoin de taper fort, oui, elle se tasse vraiment facilement. Ah ouais, magnifique. Hein. Magnifique. Voilà, une fois qu'on a réussi à tasser, à faire remonter les bulles d'air, on va remettre la préparation pendant 15 à 20 minutes au congélateur. 15 à 20 minutes au congélateur donc pour cette deuxième partie, et il nous restera donc la troisième partie à faire. A tout de suite, on se retrouve donc 20 minutes après, sortie de congélation, pour la troisième et presque dernière étape. Enfin, la troisième et dernière partie de notre gâteau. Il faut savoir être patient, bien sûr, pour justement savourer tout cela. On va préparer justement, pour la dernière étape, le fameux glaçage. Exactement. Notre préparation reste au congélateur. On la sortira vraiment au dernier moment. Voilà. C'est parti, on fabrique le glaçage. Alors, on commence avec quoi ? Alors, on va réaliser ce qui va être un mélange de myrtille et de fève tonka. Mmh. Une espèce de concassé, puisqu'on va les passer au blender avec... de la fève tonka et puis d'autres ingrédients. D'accord, ok. Alors, les myrtilles, c'est parti. Alors, on va commencer. Grammes. Voilà, 250 g de myrtilles qu'on a préalablement lavé. Ensuite, on va mettre un quart de cup de sirop d'agave. Voilà, deux cuillères à soupe, de jus de citron. Du jus de citron. Un. Et deux. Un tout petit peu de fleurs de sel. Une petite pincée. Et donc, fameux tonka. Voilà. De chez Terre Exotique, je précise, parce que je me sers beaucoup chez eux. D'accord. Beaucoup d'une belle maison qui fait de beaux épices et qui a une large gamme et qui est très intéressante. Notamment les poivres que j'adore utiliser, car on va retrouver des saveurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je trouve ça très sympathique. Et là, tu vas râper alors ? Là, je vais râper de la fève tonka. Alors, on dit toujours qu'il ne faut pas trop en mettre. Moi, dans cette préparation, je vais mettre à peu près un quart, un cinquième de la fève. D'accord. Très, très aromatique. Hein. Exactement. Non, ça sent fort. Hein. Et ça a une odeur exceptionnelle. Une odeur qui est, on dit souvent, un mélange de vanille, entre la vanille et l'amande. Et qui matche super bien avec la myrtille, avec le chocolat aussi. On peut s'en servir dans les desserts chocolatés. Donc là, notre glaçage
est prêt à être blendé. Et donc ce qu'on va rajouter pour essayer d'obtenir une texture un peu plus figée, on va rajouter un mélange d'eau et d'agar-agar. L'agar-agar qui est une algue qui va nous permettre ajouter à ce mélange d'obtenir une texture alors, qui ressemble un peu au flan. Et là dans un mélange de fruits, ça va permettre d'avoir un petit peu plus de consistance. Voilà. D'accord. Donc première étape. Non, on met tout en même temps dans le blender. Voilà. Et on blende tout en même Exactement. temps. Exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va utiliser une demi-cup d'eau et on va y rajouter une demi-cuillère à café d'agar-agar. D'accord. On va la mélanger au fouet à froid et on va porter l'ensemble à ébullition. Et une fois que ça sera porté à ébullition, on va le rajouter à ce mélange qu'on va blender et on va rajouter ça sur l'ensemble qui est au D'accord. congélateur. Direction la cuisine, on va vous montrer tout cela, comme ça vous aurez la technique. Donc là on a mélangé à froid, ensuite on a chauffé. On a porté à ébullition. Dès qu'on a porté à ébullition, on sort du gaz et on va rajouter ça dans notre préparation. L'étape finale. On rajoute le sirop avec l'agar-agar. Et le tout donc au blender maintenant. Et vérifier que le bouchon voilà parce fermé, qu'on peut avoir des surprises avec le joint si c'est pas assez serré ouais. Parfois si c'est trop serré le joint prend pas la forme et pousse pas bien la forme du blender et on peut avoir des surprises, des projections, ça m'est déjà arrivé, vaut mieux éviter. On va prendre quelques minutes justement pour ajuster tout cela. Voilà, là j'ai blendé jusqu'à garder un petit peu de morceaux de peau de myrtille. Mon idée c'est d'avoir deux couleurs plutôt que d'avoir un truc beaucoup plus lisse et plus homogène. Je me dis que ça sera aussi sympa comme ça à l'œil. Le côté esthétique est aussi important. Donc voilà, on est pas mal. Donc là voilà, on a fait ce mélange. On va pouvoir maintenant le verser sur notre préparation qui est au congélateur. Voilà, on vient de prendre notre préparation qui a fait donc deux allers-retours du côté du congélateur, deux fois 20 minutes. Et là, donc, on va mettre ce glaçage eh bien, juste pour le dernier niveau. Ouais, on a à peu près, 10-15 mm pour chaque épaisseur. Préparation, donc on vous l'a dit, hein, qui est au moins pour 6 petits gâteaux comme ça. Mais nous, on vous en prépare un seul pour cette présentation. Alors, regardez. On y va tout doucement. On a une texture idéale. Elle te plaît la texture là ? Voilà, et surtout une belle couleur bien brillante. Yes. Et donc ça va figer. Ça va figer grâce à l'agar-agar. On est vraiment à fleur hein, du moule. Et la préparation va retourner faire un petit stage au congélateur. En troisième et dernière étape. Voilà. Combien de temps à peu près ? À peu près pareil, 15-20 minutes. 15-20 minutes quoi. Donc ça veut dire que notre préparation va passer, allez, grosso modo, une heure au congélateur. Tout à fait. Divisé par 3, 3 fois 20 minutes quoi. Et après donc, la dernière étape. À tout de suite. Voilà la dernière étape. On vient de sortir notre préparation du congélateur. Et alors là, on va vous faire un gros plan justement sur... Ce résultat, c'est vraiment fabuleux, fabuleux. On a vraiment, oui, l'impression d'avoir comme une texture de flan, c'est ça ? Exactement. Hein ? Et puis surtout, on a un côté bien brillant que j'aime bien. Exactement. C'est propre, voilà. Donc là, aujourd'hui, maintenant, le démoulage pour vérifier tout cela. On Alors, y croit. J'utilise donc, le poussoir. Le poussoir dessous. Qui m'a permis de tasser le crust au tout début. Ah oui, tu pousses carrément donc le contenu avec le poussoir. Voilà. Ah oui, regarde comme ça se passe bien. Vas-y, monte doucement. Ça me plaît. C'est propre, net, carré. D'accord. Exceptionnel. Et on voit bien les trois étapes du gâteau. La précision de Sébastien.
Vous voyez, c'est comme sur les photos. Donc là, vous avez participé à la création intégrale de ce magnifique petit gâteau. C'est non sans crainte que j'ai démoulé, mais on a fait confiance à l'univers. À l'univers, et ça voilà. S'est bien passé. Petite déco ? Ouais, petite déco. Amusé. Alors. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui ? Bah, ce qui m'a inspiré, comme j'ai vu qu'on avait une belle couleur, là, je me suis dit, on va faire un petit camailleux, on va rester ton sur ton. Vas-y. Donc j'ai quelques myrtilles que je vais venir juste délicatement poser ici. Mmh. Et puis, j'ai une autre idée pour la couleur, pour rappeler le blanc du cheesecake. Je me suis dit, bah, comme ça, délicatement, un petit peu de coco râpé. Voilà, ni plus ni moins, et voilà. Et pour moi, c'est pas mal, j'ai envie de rester comme ça. À travers cette recette, donc, cette pâtisserie, voilà, vous avez pu vous rendre compte que les photos que vous voyez sur Facebook, sur Insta, ok, c'est lui qui les prend, mais la pâtisserie, c'est lui aussi qui la réalise. Rappelle-nous l'adresse de Facebook et Insta. Alors, l'adresse sur Instagram, c'est Sébastien Vincent Cuisine. Ok. Et sur Facebook, on me trouve en tapant simplement Sébastien Vincent. Tout simplement. Tout simplement. Des ateliers pour l'avenir, peut-être ? On est en train d'y travailler, de se perfectionner ? Exactement. C'est la période où je teste encore des recettes, comme celle-ci, où il y a eu quand même une prise de risque parce que je n'ai pas travaillé toutes les couches. C'est des choses que je viens d'improviser aussi parce que j'aime travailler comme ça, un peu en funambule. Et donc, pour le moment, c'est cette période des tests. J'essaye de me perfectionner et probablement à la rentrée, voire en fin d'année, je proposerai des ateliers, des formations. Enfin, c'est pas toi qui étais à l'initiative de ça, mais en fait, ça fait un petit moment qu'on te demande. Exactement, oui. Apprends-nous. Effectivement, oui, je suis assez demandé, notamment des profs de yoga, des personnes qui me demandent d'enseigner ou de les assister sur des retraites, des ateliers où ils aimeraient que je vienne et que je propose ce que je cuisine pour l'instant uniquement en... chez moi, quoi. Donc, tu fais aussi bien du salé que du sucré. Oui, je fais aussi énormément de salé. Évidemment, vous l'avez tous compris en voyant mes photos, j'ai quand même l'amour de la pâtisserie qui revient plus souvent, mais je vais proposer aussi du salé. Voilà. Donc, les desserts, c'est quand même bien aussi. On a le droit d'être gourmand. On est gourmand. Voilà, on a voulu ici, au Portail du Cru, bien, pour sa première interview, pour sa première vidéo, bien, vous présenter tout simplement Sébastien Vincent. Qui était-il ? Puisque c'est vrai qu'il met en avant eh bien, ses créations, pas lui forcément, voilà, tout simplement. Si vous participez à ces ateliers, eh bien, vous pourrez ainsi eh bien, le découvrir encore mieux. Vous vous offrez un petit week-end ou autre à la Ciotat, vous en profitez. Et en même temps, vous allez apprendre. Merci de nous avoir reçus, merci de nous avoir consacré ce temps. Ça fait un petit moment que tu prépares tout cela. Et puis, bonne suite. On va suivre tout cela, bien évidemment, sur tes réseaux principaux. Ça suffit, Facebook et Insta, comme à l'habitude. Avec plaisir, Pascal. Merci à toi. Merci aux gens qui me suivent et qui me soutiennent. Voilà, abonnez-vous, à tout bientôt. Merci encore de nous suivre. Le Portail du Cru, c'est promis. Encore d'autres invités, d'autres merveilles à découvrir et pourquoi pas d'autres recettes. Puisque, ah oui, il faut quand même le savoir, c'est la première fois qu'on découvre une recette sur le Portail du Cru. Et peut-être que ça va en emmener une seconde, une troisième, une quatrième. C'est un honneur pour moi, Pascal, d'être le premier. Et ben voilà, tu as été première interview, première recette. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. À bientôt les amis. À bientôt. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.